le Partech Shaker, donc c'est le premier campus dédié à des startups matures, c'est-à-dire qui ont passé l'étape de l'idée et qui ont déjà au moins un proto et a priori plutôt des utilisateurs ou des clients, créé par un fonds d'investissement pour accompagner ces startups en leur donnant au-delà de l'argent un lieu, donc l'occasion d'interaction avec d'autres entrepreneurs et aussi avec des grands groupes, puisque notre particularité c'est qu'on est dédié à l'open innovation, donc au rapprochement business entre startups et grandes entreprises. Alors Wingit, c'est un peu l'application last minute des sorties. Donc l'idée c'est, on a une application, on ne sait pas quoi faire, on est au restaurant avec des amis. J'ouvre Wingit et je trouve en temps réel tout ce qui se passe autour de moi, que ce soit vraiment au coin de la rue ou à l'autre bout de la ville. On vient de lever 2,2 millions d'euros. On avait levé un peu moins de 900 000 euros fin 2013, donc là on est vraiment en pleine expansion, ce qui explique aussi notre arrivée au Partech. Alors même si on ne fait pas partie du portefeuille, nous on est vraiment hyper heureux et assez fiers d'intégrer l'écosystème qu'a créé le Partech ici au Partech Shaker, et puis d'être un peu au cœur des bonnes startups du moment, donc de quoi vraiment encore plus nous motiver. Et puis donc dans ce cadre de cette expansion et puis de cette croissance, on va recruter bien sûr des gens. Donc des développeurs les meilleurs, iOS, Android, des experts big data et puis machine learning. On va rechercher aussi des spécialistes marketing et communication et puis des fous furieux, des RP. Enfin voilà, notre but c'est vraiment de continuer cette croissance, de cartonner et puis de faire que les gens aient de plus en plus plaisir à utiliser Wingit. Fion, c'est une jeune start-up, mais avant, pour la petite histoire, il faut que je parle rapidement de Talen, qui est une entreprise qui a été construite en 2006. C'est une success story française. Ils ont, en gros, en 5 ans, devenu les leaders dans le système du big data. Et du coup, les fondateurs de Talen ont créé Influence pour répondre à un besoin, parce que les consommateurs en fait, ont toujours un besoin qui évolue avec les nouvelles technologies. Et les marketeurs, en contrario, n'ont pas forcément les bons outils. Nous, on se positionne sur ce marché-là et on est capable de donner une offre hyper personnalisée. Donc, de donner le bon produit au bon moment et à la bonne personne. Partech n'est pas qu'un soutien financier, c'est aussi un soutien humain. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils nous ont permis de rencontrer des acteurs clés dans notre domaine. Donc, des agences, des marketeurs, des personnes qui sont capables de nous conseiller, de nous écouter, avec qui on échange et en fait, on évolue. Nos besoins aujourd'hui, en fait, c'est d'agrandir notre R&D et d'engager des personnes qui sont des spécialistes dans le big data en temps réel. Donc je parle de technologies telles que Kafka, Hadoop, Spark. Et oui, on recherche vraiment des data scientists, des devs iOS, Android, des mecs qui sont full stack Java, MongoDB et surtout des front, des développeurs front en AngularJS, spécialisés en AngularJS. Hotel Tonight, c'est le leader des applications mobiles pour la réservation d'hôtels à la dernière minute, entre J-7 et le jour même. Donc on a des hôtels qui sont triés sur le volet par nos équipes, qui sont mis à la vente à des prix défiant toute concurrence et nous en donnant la garantie à nos utilisateurs, puisque nos hôtels nous offrent jusqu'à moins 70% de discount sur les hôtels pour vendre leur chambre à la dernière minute. Et enfin, nous avons une expérience utilisateur qui est exceptionnelle, puisqu'en 10 clics et 3 secondes, vous pouvez réserver votre hôtel. Hotel Tonight est en pleine croissance, nous avons plus que triplé notre chiffre d'affaires depuis le début de l'année et donc nous recherchons au bureau de Paris des market managers qui ont un rôle à trois composantes. Premièrement, le business development qui consiste à faire du recrutement d'hôtels partenaires. Deuxièmement, la gestion de compte, c'est-à-dire entretenir la relation avec nos hôtels partenaires. Et enfin, tout ce qui est appui aux opérations d'Hotel Tonight. Ça peut être par exemple organiser des soirées avec nos utilisateurs ou encore gérer la coordination avec San Francisco sur les questions relatives aux produits Hotel Tonight. Nous avons pris la décision de nous localiser au Partech Shaker qui nous apporte énormément. Tout d'abord, c'est un environnement de travail très stimulant puisque nous sommes amenés à côtoyer des dizaines d'autres startups dans un même campus. Nous avons à disposition un environnement de travail qui est très agréable. Nous avons à disposition donc des salles de réunion qui sont équipées et puis des espaces de détente. Et enfin, bien entendu, la fameuse terrasse du Partech Shaker qui a une vue imprenable sur Paris.